Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyoskubon. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez sur abonner, vous activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Si vous voulez nous soutenir en faisant des dons, dans la partie description de cette vidéo, se trouve toutes les informations dont il vous faut. Vous pouvez nous faire des dons via PayPal et via Western Union. Ça dépendra de vous. Merci déjà pour vos dons. Il y a déjà des dons qui sont entrés. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine. Pour le prochain temps. Ok, il n'y a pas de souci. On y va. Ce dont nous allons vous parler ici, mes frères et sœurs, c'est tellement grave que je dis, waouh, il faut que quelqu'un vous en parle. Il faut que quelqu'un vous dise que ces choses sont réelles. Quelle est la chose qui détruit beaucoup de vies, beaucoup de familles? C'est quoi? C'est quelque chose qui vient de Satan, qui détruit le plus de vie en ce moment où je suis en train de vous parler là. Cette chose là même qui ne veut même pas voir l'homme réussir là, c'est quoi? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une branche occulte qui ne veut pas voir l'homme réussir ou prospérer à tous les niveaux. La sorcellerie là, c'est la chose qui ne veut même pas vous voir vous réussir. Ils ne veulent pas même. Et ces gens-là, vous allez les voir, qui vont vous combattre dans toutes les dimensions. Dans toutes les dimensions. Quand je dis dans toutes les dimensions, c'est vraiment dans toutes les dimensions. Ils seront là pour écouter vos projets, rien que pour vous compliquer la vie. C'est ça la sorcellerie noire. Il y a plusieurs types de sorciers, de sorcellerie, mais ici nous allons parler de la sorcellerie noire. Parce que c'est la sorcellerie noire, franchement, qui détruit beaucoup de vies. Mes frères et sœurs, est-ce que prospérer à tous les niveaux là, c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Tu travailles dur, même avant de travailler là même là, pour avoir le travail là, c'était difficile comme ça. Ah. Maintenant que tu as eu le travail là, ton argent que tu dis tu vas manger, tu vas t'épanouir là, l'argent là, tu as l'impression que c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. C'est comme si quand tu as l'argent là, les problèmes s'augmentent. Qui font ça? Qui sont les gens qui font ça? Ce sont les sorciers. Ils se trouvent même dans ta famille. Aujourd'hui, là, dans une famille, là, il y a au moins un sorcier. Il y a au moins un représentant de Satan qui est un sorcier dans la famille. Ah! Maintenant, tu es là à l'école. Tu as travaillé dur comme ça à l'école. Tu as travaillé dur. Maintenant, les diplômes que tu as là, tu dis que tu veux maintenant les mettre en fonction, tu veux travailler. Tu vas déposer les dossiers là. Il y a un sorcier dans ta famille qui va là-bas, qui te possède même là-bas. Hein. Il se transforme en DG là-bas et il prend ton dossier là, il met dans la poubelle à chaque fois. À chaque fois où tu vas déposer les dossiers, lui il va là-bas et il prend les dossiers. Souvent là, posez-vous des vraies questions. Hein. Si vous déposez les dossiers partout, ça ne marche pas là. Posez-vous des vraies questions. Souvent les sorciers font ça. Ils vous précèdent là-bas. Ils vont s'asseoir là-bas et ils prennent les dossiers là. Vous voyez, il y a des agents de Satan là-bas. Le diable lui-même passe par des agents de Satan là, pour faire échouer cela. Attention mes frères et sœurs, priez beaucoup et Jésus-Christ de votre fille et demandez à Dieu de vous guider. Ah, tu as travaillé dur à l'école comme ça. Tu as travaillé dur. Maintenant que tu vas travailler là, voici un problème arrive. Vous allez comprendre ce que nous sommes en train de vous dire. Ça va vous attrister, hein. Mais mes frères et sœurs, laissez un like seulement pour nous savoir combien de fois vous avez touché, c'est tout ce que... Et laissez des commentaires, ça nous ferait vraiment plaisir. Mais... voici ce que nous allons vous raconter là. Ça va même vous toucher. Voici un homme qui est né dans une famille pauvre. Il a travaillé dur. Même là, il grouillait même pour payer ses études. Ah! Ça veut dire qu'il travaillait à côté pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. En plus de payer ses études. C'était très difficile. C'était dur. Ah! Maintenant, voici que ce jeune homme là. Il a évolué jusqu'à, grâce à Dieu, il a eu des diplômes qu'il lui faut pour gagner du travail. Et il a réussi à avoir du boulot quelque part. Est-ce que vous savez ce qui va se passer? À son premier jour de travail, là, les sorciers de sa famille seront déjà informés qu'il va aller travailler pour la première fois. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont créer un mouvement qui va le déstabiliser, le détruire. Ils vont faire un complot. Pour qu'il ait accident, pour que sa voiture là, ne puisse pas arriver le lundi là, à son lieu de travail. Et il meurt sur le chemin. Ah! Mais comment peut-on faire comme ça?
Comment on peut être méchant comme ça? Nous tous, on a vu comment ça s'est passé. Comment elle a lutté. Même à l'école. Est-ce que c'est facile? Quand on vous donne un devoir, on vous donne un exercice ou même un examen. Un examen, c'est dur. C'est compliqué. Vous et moi, nous savons que c'est dur. Vous et moi, nous savons que c'est compliqué. Et toi, tu vas aller à l'examen, tu vas travailler dur comme ça, et puis tu vas avoir le boulot là. Tu n'as même pas allé même pour t'asseoir pour manger quelque chose, goûter à l'argent là même que tu vas avoir là. À la suite de ton front, les sorciers vont te tuer. C'est mauvais. Ils ne veulent même pas voir les gens réussir. Et ces choses sont réelles. Vous-même, vous pouvez témoigner, vous qui me regardez là. Si c'est faux, dites-le moi. Il y a plein de personnes qui sont en train de me regarder, qui sont même en train de couler les larmes parce qu'eux-mêmes, là, ils vivent cette situation. Mes frères et sœurs, si tu es en train de couler les larmes, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, il est venu pour te sauver la vie. Si tu as un problème pareil, mon frère, prie. Accepte Jésus-Christ d'abord. Prie beaucoup et intéresse-toi à tout ce qui se passe dans l'église. Tous ceux qui sont des sorciers, qui sont dans ta famille, qui sont autour de toi, qui font ça là. Tu vas commencer à te les dévoiler l'un après l'autre. Tu ne vas pas te laisser dans l'ignorance. Et Dieu va te mettre dans une bonne position pour le combat de la délivrance. Une fois que le combat sera fini, là, ou du moins le premier combat sera terminé, Dieu lui-même veillera à ce que tu aies un bon boulot et tu puisses travailler et manger à ta faim. Ah! Ça veut dire que ton chemin, là, ce sera un chemin difficile. Tu vas marcher comme ça et rencontrer des difficultés. Beaucoup de difficultés, mais ne perds pas espoir. Fonce! Parce que là devant toi, c'est tout de belles choses. Si on t'attaque, c'est que tu es une bonne personne. C'est que tu es une bonne personne, ton étoile brille. Les sorciers n'attaquent pas n'importe qui. Ils attaquent celui dont l'étoile brille. Voilà, c'est celui-là même qu'ils attaquent. Et les voir, tu vas voir, si tu es à la maison que tu n'as pas de boulot là, tu vas voir que tout sera normal. Mais quand tu vas avoir un petit boulot quelque part là, tous les sorciers de ta maison, tous les sorciers de ton village vont se lever ce jour-là pour te compliquer la vie. Parce que tu vas commencer à avoir quelque chose pour réussir. Mais toi, reste concentré sur ton chemin. Dis-toi seulement, mets-toi dans la tête que là devant toi, c'est tout des belles choses. Avance avec Jésus-Christ, quelles que soient les difficultés qui vont venir. Fonce, ne t'arrête pas. Les sorciers ne veulent pas te voir réussir dans toutes les dimensions. Oui, c'est vrai. Mais Dieu lui veut te voir réussir dans plus que toutes les dimensions. Retiens ça et fonce avec ce que Dieu veut. Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, tu vas réussir. Tu vas réussir, je te le dis. Fonce avec Dieu, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les vents et marées, quelles que soient les vagues et la mer qui vont se lever, fonce. Je te dis, fonce. Ne retourne pas. Fonce. Ne désire même pas d'aller chez les féticheurs. Ne désire même pas de participer avec le monde des ténèbres. Fonce avec Dieu. Tu vas y arriver. Let's go. Vous pouvez faire des dons sur cette vidéo, comme on vous l'a dit. C'est gratuit. C'est vous-même qui décidez. Et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez des likes. Et que Dieu vous bénisse d'avoir regardé cette vidéo. Ah, Seigneur Jésus-Christ, protège nos abonnés, protège-nous tous, car toi seul peux nous délivrer. À bientôt. N'y en souviens pas.